une des plus grandes erreurs, des plus grandes fautes qui ait été faite sous la Ve République, je le dis avec tout le respect que j'ai pour Jacques Chirac, c'est quand il a eu à affronter au deuxième tour Jean-Marie Le Pen, qu'il a fait ce score qui lui donnait le devoir d'additionner dans un gouvernement, et qu'il ne l'a pas fait. Je vous ai cité tout à l'heure le 49-3 sur la loi Macron. Là aussi, c'est une faute. Eh bien, je pense que dans ce pays, on a perdu trop de temps à continuer de manière artificielle à faire de la politique. Et je vais prendre ce jeu auquel beaucoup de jeunes jouent aujourd'hui, qui est connu dans le monde entier, qui s'appelle Vikings War of Clans. Vous savez, c'est un jeu où vous montez votre royaume, puis après, vous faites la guerre. La politique, aujourd'hui, dans notre pays, c'est ça. Et quel est le résultat de ce jeu? Vous y jouez des heures. Vous ne voyez plus ce qu'il y a autour de vous. Vous ne voyez pas ce qu'il y a devant vous. Or, aujourd'hui, le monde politique, à droite comme à gauche, malheureusement, je le vois tous les jours, ne voit plus ce qu'il y a autour de lui. Quand je vous ai parlé de suicide de France qui gronde, pendant ce temps-là, on a des débats surréalistes, des postures du théâtre d'ombre sur le 49-3.